Oh, la presta ya bhuta lishma bhakti pramodaya poligosa minamine. Namom Vishnu Padaya. Krishna presta ya bhuta lishma te bhakti vilanta samiti namine. Namom Vishnu Padaya. Krishna presta ya bhuta lishma te bhakti la shaka shira dev goswami ti namine. Namom Vishnu Padaya. Krishna presta ya bhuta lishma te bhakti silanta sarasvati ti namine. Jai Shri Brahma Dvaguja Sarasvat Sampradaya Kichai. Oh, j'ai pas mes lunettes. Ça va, ça va, ça va. Non, non, mais ça va, je n'ai pas le temps. Chant 1. Par quelle compréhension personnelle ou par quel pouvoir une personne comme moi a-t-elle pu arriver en ta demeure et prendre refuge à tes pieds pareils de lotus? Cela est sûrement dû uniquement à ta miséricorde. Car on te nomme Dayomoy, celui qui est empli de miséricorde, et Patitapavana, celui qui délivre les âmes déchues. Parce que tu es éternellement engagé dans la libération des âmes déchues. Moi, mon seul espoir au Seigneur est que tu sois empli de compassion et de miséricorde. Il n'y a personne qui soit un récipient plus approprié pour ta miséricorde que moi. Ainsi certainement tu détruiras toute la peur qui m'accable dans cette existence matérielle. Personne d'autre dans le monde n'a le pouvoir de me sauver. Ô miséricordieux Seigneur, tu as déclaré que tu sauveras les êtres déchus et pécheurs de ce monde. J'ai tout abandonné et je suis venu à tes pieds pareils au lotus. Ô Seigneur, je suis ton éternel serviteur et tu es mon soutien, car tu es mon seul protecteur, ô Seigneur de l'univers. En réalité, tout appartient. Je ne suis pas ton serviteur insignifiant. Je ne suis que ton serviteur insignifiant. Il est donc certain que tu me délivreras. J'ai choisi tes pieds pareils au lotus comme mon seul refuge. Je ne m'appartiens plus désormais à moi-même. Bhaktivinoda, déversant des larmes, a pris refuge à tes pieds pareils au lotus. Puisses-tu lui pardonner toutes ses offenses et en lui accordant un goût pour chanter ton saint nom. Oh, s'il te plaît, daigne le soutenir. Désolé, la vue est revenue entre-temps. Ce matin, quand je chantais, j'avais cette réflexion. Je lisais un passage où les acharyas expliquent que quand Radharani rencontre Krishna, en fait, les émotions extatiques transcendantales se manifestent dans son corps et dansent. Ils deviennent comme un professeur. Hein, quels sont les sentiments extatiques, la jeunesse éternelle de Shrimati Radharani qui se manifeste encore plus belle, hein, et qui devient véritablement comme une jeunesse qui n'a pas de source, qui est resplendissante, belle, l'humilité, toutes ces choses apparaissent comme des fleurs, comme des parfums, etc. Et Shrimati Radharani est l'énergie, l'amour du Seigneur suprême personnifié, la Adini Shakti. Et Krishna, qui est le Seigneur lui-même, il prend que plaisir dans son énergie interne. C'est pour ça qu'il est dit que la concupiscence n'existe pas dans le monde transcendantal. Parce que quand Radha et Krishna sont ensemble, Krishna ne fait que scruter sa propre énergie. Hein? Et dans ce dialogue entre Radha et Krishna, métaphores, des poésies qui sont au-delà de l'imagination des êtres humains ordinaires. Ce n'est pas une façon de penser normale pour nous. Puisque la convoitise, la concupiscence, la petitesse n'existe pas. Tout est illimité. Et l'imagination est illimitée. Et je disais, mais c'est impossible de comprendre ça pour nous. Et je réalisais à quel point j'étais comme un animal. Parce que je pouvais pas avoir accès. Parce que
On ne peut pas avoir accès à l'intimité du Seigneur. On peut croire qu'on a accès. Mais ça, c'est qu'une forme de sadhya, on appelle ça, ça veut dire imitation. Ça veut dire qu'on va parler de quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et on va faire une interprétation. Et on va égarer les êtres. Et en disant que nos défauts, en fait, c'est de la beauté. On voit par exemple les sadhyas qui sont en fait des dévots qui pensent être avancés spirituellement alors qu'ils ont plein de problèmes dans leur cœur, la concupiscence, l'envie, etc. Ils font des actes terribles sous prétexte que c'est pur. Et les gens sont écœurés de voir ça. Et donc moi, avec mon fuego, j'ai essayé de lire quelque chose sur Radha Krishna, et par la grâce de mon gourou, j'ai réalisé, oh, je suis un idiot, je comprends rien, je suis comme un animal. Et là, la réflexion que j'ai eue, c'est que j'ai vu les pieds de mon gourou apparaître. J'ai vu les pieds de mon gourou apparaître. J'ai vu que mon Gurudev était l'incarnation de la miséricorde de Radha Krishna. J'ai vu ça, j'ai fait « Oh !» J'ai fait « En fait, j'ai voulu me prendre pour un maître, mais je suis pas qualifié. » Et j'ai senti que la position de serviteur, c'était quelque chose de sûr. C'était quelque chose de confortable. Quelque chose vraiment où j'étais complètement protégé. Et là, j'ai senti que c'était ma place d'être à ses pieds, sous ses pieds. D'être comme une particule de poussière sous ses pieds. Et je me suis senti tellement bien qu'après l'intelligence est venue. Et j'ai réalisé que le maître spirituel, c'est l'incarnation de la miséricorde de Radharani. Sans sa grâce, on ne peut rien comprendre. Rien, rien, rien. C'est pour ça que l'aspiration d'un disciple, elle ne va pas plus loin. Parce qu'il obtient tout. Vouloir comprendre Radha et Krishna par nos propres moyens, ça nous éveillera la concupiscence et la confusion. On ne peut pas adorer directement le Seigneur suprême. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'un authentique dévot, qu'est-ce qu'il fait quand il adore le Seigneur? Quand il est sur l'autel, il glorifie son dévot. Il cherche pas à établir une relation. Il chante les gloires de son dévot. Et Krishna est tellement satisfait que le disciple, il danse. Il danse tout seul. Une joie illimitée se manifeste en lui. Parce que Krishna dit, celui qui veut me servir directement, c'est pas mon dévot. Mais celui qui sert mon dévot, celui-là, il est vraiment mon dévot. Celui-là, il peut comprendre quelque chose. Juste une toute petite miette sur moi. Et cette miette-là, ça sera sa relation éternelle avec moi. On peut pas comprendre tout du Seigneur. C'est pas possible. Juste une miette. Ça suffit. Petite bête. Celui qui pense qu'il a tout compris, c'est un fou. C'est un menteur, un tricheur. Parce que même le Seigneur lui-même, le Srimad Bhagavatam explique, il se connaît pas lui-même complètement, parce que le Seigneur est toujours en expansion. Il peut même pas, le Seigneur, comprendre toutes ses gloires. Et ça, ça nous dépasse. Pourquoi? Parce qu'on se dit, Dieu est fini. Dieu doit tout comprendre, Dieu est fini. Non, Dieu est infini. Donc s'il est infini, c'est que lui-même, il peut se chercher d'une manière illimitée et goûter la plénitude de ses gloires. Mais ça, nous, on peut pas comprendre parce qu'on est limité. Si on rentre en nous-mêmes, c'est vite fait, le tour. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est vite fait. Hein? On aura envie de dormir, envie de manger, envie de faire caca, pipi. On aura des ennemis, on aura des amis, un petit peu d'amour. Puis c'est fini. Puis beaucoup de peine. Ça va pas aller loin. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre quelque chose sur le Seigneur suprême avec une mentalité de chien et de chat? C'est pas possible. Vous comprenez? Mais Krishna est miséricordieux. C'est qu'il nous donne l'intelligence pour comprendre qu'il y a un refuge. C'est pour ça, Bhaktivinoda Thakur, il dit, par quelle compréhension personnelle ou par quel pouvoir une personne comme moi a-t-elle pu arriver en ta demeure et prendre refuge de tes pieds?
Cela est sûrement dû uniquement à ta miséricorde. Car on te nomme Dayomaru, celui qui est empli de miséricorde. Et Patita Pavana, celui qui délivre les âmes déchues. Parce que tu es éternellement engagé dans la libération des âmes déchues. Or, le Seigneur explique dans la Bhagavad Gita, il dit qu'il vient dans ce monde, mais il envoie aussi ses dévots. En fait, quand les dévots viennent, c'est pas différent du Seigneur, parce qu'il y a un avèche, il y a une, comment dire, une mise en pouvoir. Et on doit considérer que le maître spirituel, c'est le représentant du Seigneur suprême. De cette manière-là, on peut être délivré. C'est notre philosophie. Certains, ils disent, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent de Dieu? Qu'est-ce qu'ils comprennent? C'est juste des matérialistes. Ils sont juste identifiés au corps, et ils pensent qu'ils sont un chef de famille, et ils ont peur, ils ont des ennemis, ils pensent qu'ils sont dans une religion. Ils comprennent rien de l'âme, déjà. Rien que de l'âme, ils comprennent rien. Que dire de l'âme suprême, qui contrôle tout? Que dire de Krishna? C'est pas possible. C'est pour ça que le Seigneur explique ça. Par exemple, quand il dit, il explique Tadvidi Pastana à Arjuna, il dit, prends refuge d'une personne qui me connaît. Si tu la sers, tu lui offres ton hommage, tu t'inquiètes d'elle sur ce sujet-là, si elle est satisfaite, elle te donnera la miséricorde. À travers elle, je me révèle. C'est l'enseignement de la Bhagavad Gita. Par exemple, on rencontre plein de dévots qui font leur voie, qui font leur truc. Certains, ils pensent qu'en jeûnant, ils vont atteindre la perfection. Certains, ils, ceci, plein de choses. Faire du yoga, ok. Mais si on veut comprendre Krishna, l'enseignement de la Bhagavad Gita, la conclusion, ça va d'un paritya, hein? Si on veut comprendre la conclusion de la Bhagavad Gita, on doit comprendre qu'il vient dans l'âge de Kali en tant que Chaitanya Mahaprabhu pour expliquer la conclusion de la Bhagavad Gita. On ne doit pas se faire notre conclusion de la Bhagavad Gita. Moi, je vois des jeunes dévots qui pensent, moi, Krishna, pour moi, il a dit ça. Mais si tu veux comprendre Krishna, tu dois comprendre Chaitanya Mahaprabhu. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu expliquer la véritable signification de la Bhagavad Gita. Et si, naturellement, on met notre humeur spirituelle sur le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu et sur ses associés, alors on obtiendra la conclusion de la Bhagavad Gita qui est de s'abandonner. Sans ça, ce ne sera pas possible. On ne s'abandonne pas au Krishna en faisant notre voie, on s'abandonne à nous-mêmes. Tout ce qu'on obtient, c'est le malheur. Hein? On va obtenir un petit peu de gain matériel, les gens vont nous adorer. Oh, c'est un saint. Oh, il est un grand yogi, il mange une fois par semaine. Il respire plus, il boit plus, il marche sur l'eau. Mais ça, tout ça, c'est des choses matérielles. Vous comprenez? Vous pourrez faire des grandes austérités, avoir un beau couple, avoir beaucoup d'argent, mais votre vie sera gâchée. Tout sera gâché. Mais, si on apprend à devenir un dévot, en suivant les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, en suivant dans les traces de ses associés, et surtout en prenant refuge d'un gourou, en recevant de lui des instructions, et en apprenant de lui à marcher dans les traces, parce qu'on ne peut pas marcher par nous-mêmes dans les traces. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Nous, quand on va marcher dans les traces de quelqu'un, c'est pour obtenir du pouvoir. Ou de l'argent. Qu'est-ce que nous apprend l'école aujourd'hui? D'un professeur, c'est gagner de l'argent. Et du pouvoir. Donc on peut pas par nous-mêmes comprendre ce que c'est marcher dans les traces. C'est pour ça qu'on doit accepter un gourou. C'est pour ça qu'on doit être accompagné. Recevoir les instructions, marcher dans les traces. À partir de là, on pourra comprendre qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner. Qu'est-ce que ça voudra dire que le Seigneur est miséricordieux. Qu'est-ce que ça voudra dire qu'il est le sauveur des âmes déchues. Et on comprendra une chose, c'est que le maître spirituel est miséricordieux et qu'il sauve les âmes déchues. Ça sera notre conclusion, parce qu'on ne pourra pas approcher directement le Seigneur. Et même si on l'approche avec sincérité, il nous donnera l'intelligence pour approcher son dévot et s'abandonner à lui. C'est la seule conclusion. Sans Guru Bhakti, il n'y a pas Krishna Bhakti.
Guru Bhakti, c'est la dévotion au dévot du Seigneur. Il n'y aura pas de dévotion pour le Seigneur. On ne peut pas directement développer la dévotion. C'est pour ça qu'on galère. Parce que c'est difficile d'avoir foi dans ce processus. C'est très élevé. Devenir un serviteur, c'est pas facile. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Il n'y a pas plus difficile que devenir un serviteur, parce qu'on veut tous être des maîtres. On veut pas. En fait, on accepte un gourou d'une façon externe, mais dans le cœur, on est encore un maître. Et ça, ça part pas facilement. Ça, c'est très, très, très difficile. Il faut vraiment une miséricorde spéciale. C'est impossible. Même si c'est pratiquement impossible à avoir. Sauf si on pleure. Et qu'on prie le Seigneur pour qu'il nous donne l'intelligence pour comprendre comment être un serviteur. Et c'est là qu'on s'adresse au Seigneur. On prie pas le Seigneur pour avoir une relation avec lui. On prie le Seigneur pour être le serviteur du serviteur de ses dévots. Et là, Krishna nous donnera une véritable intelligence. Ça, Krishna, il aime. Ça, Krishna, il aime vraiment. C'est la chose qu'il préfère le plus. Quand vous priez pour devenir le serviteur du serviteur du serviteur des gopis. Parce que lui-même, il a enseigné. C'est notre philosophie. C'est pour ça que tous ceux qui ont progressé, tous ceux qui sont devenus des Vaishnavs, ils ont eu tous la même conclusion. Prahlad Maharaj, il dit, personne ne s'est jamais délivré de ce monde sans enduire son corps de la poussière de la miséricorde des Vaishnavs. C'est la conclusion de tous. Faire des temples, installer des déités, écrire des livres, si on n'a pas reçu la miséricorde d'un Vaishnav, ça portera pas de fruits. On fera que s'enorgueillir. On fera que s'enorgueillir. On dira, oh, quel beau temple t'as fait. Bah oui. Oh là là, ton temple est tellement propre. Bah oui. Oh, Soudam, t'es un tellement bon dévot. Mais s'il n'y a pas d'abandon, ça va donner quoi comme résultat? Non, on va dire non, moi je suis tout petit, hein. Mais on aime bien quand même. Il y a un petit panier dedans, on aime bien. Ça. Puis on va un peu mieux marcher après. Vous comprenez? On va se sentir plus beau, plus super. Mais si à la miséricorde du maître spirituel, qu'est-ce qui va se passer? On va se dire oulala, je vais plus me faire avoir. Ça, c'est fini. C'est pas mon temple. Je reconnais que j'étais illusionné. Je reconnais que je pensais que c'était mon temple. Que je pensais que j'avais du pouvoir pour faire ceci, pouvoir pour faire cela. Mais maintenant, aujourd'hui, je réalise que tout ça, c'était faux. Mais que ça m'a permis de comprendre ça. Et qu'aujourd'hui, je m'abandonne à ses pieds. On n'arrive pas tout de suite à une telle conclusion de vouloir devenir un serviteur. C'est pas possible. On doit passer par plein de choses. Mais la finalité, si on est sincère, ça sera cette conclusion-là. Vous ne pourrez pas avoir une autre conclusion. Tant que vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas authentique. Quand ces conclusions viendront, il n'y aura qu'une conclusion, un point. Alors, vous serez un Madhya Madhikari. La conclusion du Madhya Madhikari, c'est qu'il désire être le serviteur du serviteur du serviteur. Et il danse dans la miséricorde. Les Vaishnavs. Il danse dans la miséricorde. Il se baigne dans la miséricorde des Vaishnavs. Il est complètement protégé par Krishna. Krishna dit, oh, un tel serviteur. Et les Vaishnavs, quand ils voient quelqu'un comme ça, ils sont tellement heureux.
Ils deviennent heureux parce que c'est, parce qu'ils prêchent dans le monde entier. Quand ils en voient un, ils disent, oh là là, Bhakti Siddhanta disait, si ma mission elle fait juste un pur dévot, je considère qu'elle est complètement satisfaite. Le Vaishnava devient satisfait. Rendez compte. Vous n'avez pas d'autre moyen pour satisfaire un Vaishnava. L'argent, ça n'intéresse pas. Vos glorifications, ça n'intéresse pas. Parce que si elles sont pas pures, et qu'elles sont simplement pour se rehausser, mettre un galon, qu'on est un super disciple, il va simplement nous tirer les oreilles. Eh, viens là. Alors, ta glorification. C'est pour toi ou c'est pour moi? Il voit, le Vaishnava voit ces choses-là. C'est pas facile de se retrouver en face d'un Vaishnava. Quand il y a un Vaishnava, on se planque. On se planque. C'est difficile. C'est difficile. Rencontrer un Vaishnava, c'est difficile. Parler avec un Vaishnava, c'est difficile. Parce que c'est comme une glace. Si quelqu'un est pur, il est comme une glace. Et automatiquement, il nous renverra toujours à ce qu'on doit être. Mais dans ce monde, c'est tout l'inverse. Dans ce monde, personne ne nous renvoie à ce qu'on devrait être. Tout le monde se glorifie les uns les autres pour que notre position ne soit pas diminuée. Ou alors, c'est un ennemi. Vous comprenez? L'amitié, c'est juste, on se glorifie les uns les autres pour que on soit pas diminué. Dès qu'il y en a un qui nous critique, c'est plus notre ennemi. C'est notre ennemi. Ça quitte le plan ami pour devenir ennemi. Est-ce vrai ou pas? Vous avez jamais eu des amis, soi-disant, qui vous ont critiqué une fois ou deux, puis après vous dites, ouais, je croyais que c'était mon ami, c'est plus mon ami. C'est classique. Même les frères se parlent plus. Les sœurs entre elles se parlent plus, ou la fille avec le père se parle plus, etc., etc. C'est ça des relations de ce monde. Mais avec le gourou, c'est pas pareil. Si une personne est pure, ça marche pas. Il va vous tirer les oreilles. Donc on n'aime pas ça. Mais en même temps, il est pur. On peut pas faire avec les autres. Ça peut pas devenir notre ennemi. Parce que si ça devient notre ennemi, on souffre. Krishna nous, boum! Il nous rectifie à l'intérieur du cœur. Il nous fait voir, ça tu peux pas. Tu peux faire ça avec un être ordinaire, mais pas avec mon dévot. Ah, tu peux pas faire ça avec mon dévot. Regarde, tu souffres maintenant. Tu peux pas. Si t'as tiré les oreilles, tu peux pas. Tu peux pas dire, t'as vu Gurudev ce qu'il a dit. Tu peux pas faire ça. Tu vas souffrir. Tu peux pas. Donc, qu'est-ce que fait le disciple? Ben, il change de comportement petit à petit. Et petit à petit, sa nature intérieure change. Et il quitte ce plan. Et il voit l'hypocrisie de ce monde. Il n'a plus envie d'être un hypocrite. Et il va vers la vérité. C'est pour ça que la relation avec un Vaishnava, elle est essentielle. S'il n'y a pas de Vaishnava dans notre vie, il n'y a pas de résultat. Et activer en arrière de mariage, il dit jusqu'à Bave, il faut être accompagné. Physiquement. C'est pour ça quand on voit les dévots, par exemple, leur maître spirituel quitte leur corps, mais qu'ils reprennent par refuge ou un gourou, c'est pas bon. On doit être accompagné d'un père, de quelqu'un qui nous éduque, de quelqu'un qui peut nous faire des reproches. Un livre, comme disait Bhaktivedanta, un livre ne s'attire pas les oreilles. Mais quelqu'un physiquement, il peut vous dire tu t'es trompé. Alors, c'est pas facile quand on pense qu'on est un maître devant tout le monde d'accepter qu'on s'est fait reprendre, par exemple. Mais si Krishna est miséricordieux, on va apprécier. On va dire, oh, je comprends maintenant. Je comprends, je me prenais pour un maître. Et Gurudev est tellement miséricordieux
qu'il me met à nu devant tout le monde. Et là, on va danser. On va danser, parce qu'on va se dire, aïe, c'est parti. Aïe. Krishna m'a envoyé une personne qui peut véritablement changer ma vie. C'est parti, on va danser. Un espoir va venir. Avant, on était perdu. On était un maître, mais un faux maître. On était dans une impasse, dans un labyrinthe. Et là, il y a un grand espoir qui arrive. On va réaliser, aïe, c'est parti. C'est fini maintenant. C'est fini la captivité. Parce qu'en fait, en pensant que j'étais un maître, j'étais captif de l'énergie matérielle, de l'illusion. Mais une âme libérée, un pur dévot de Krishna, lui, il fait pas de nous un esclave. Il nous prépare à rencontrer le monde éternel de la liberté et de l'amour. Son business au gourou, lui, c'est pas d'avoir des disciples. Il n'y a rien qui l'intéresse en ce moment. Mais sa nature est de répondre à l'attente de Shrimati Radharani. Et Shirada est très miséricordieuse. Elle veut libérer les êtres. Donc, il libère les êtres. Il donne la miséricorde. Donc au fur et à mesure, toutes ces choses-là, ça nous sera révélé. C'est normal. Ça fait partie d'une évolution spirituelle. C'est très rare les gens qui sont, dès le début, des serviteurs. Ça vient des vies passées. C'était déjà établi dans leur vie avant. C'est pour ça, quand on entend parler les Vaishnavas, on a envie de devenir un serviteur. Mais c'est pas évident. Parce qu'au début, on va vouloir être envie d'être un serviteur pour être reconnu serviteur. Mais c'est pas grave, il faut quand même accepter ça. Et graduellement, la mauvaise mentalité, la reconnaissance, l'adoration, tout ça partira. Ça prend du temps. Raghunath Das Goswami disait que c'est le dernier piège de Maya. On peut s'être libéré de la jouissance sexuelle, etc. Mais Pratishta, la position, la recherche de respect, c'est quelque chose de subtil. La vie sexuelle, c'est quelque chose de grossier. C'est pas difficile à enlever. Mais le respect, oh là là, ça vient, c'est la racine du faux ego, de l'identification avec le corps. Et que quand on est libéré de l'identification avec le corps, qu'on est libéré du respect. Donc c'est quand même la dernière chose qui s'en va. Même le Madhya Manikari, il y a une recherche quand même de respect. C'est subtil. Dans le Jiva Dharma, c'est expliqué. Et c'est simplement Madhyamuttama, où l'être vivant commence à s'absorber dans les gloires du Seigneur et dans le pur nom, que ça commence vraiment à disparaître, quoi. Mais même là, il reste encore une petite trace. C'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est graduel, en fait. Mais si on n'accepte pas cette position de serviteur, ça sera jamais. On restera juste anartha nivritti. Anartha nivritti, c'est des choses indésirables dans le cœur. C'est tout. On aura reçu l'initiation, mais elle ne portera pas de fruits. Elle ne porte des fruits que quand on s'identifie vraiment à un serviteur et qu'on veut satisfaire les Vaishnavas, Guru Vaishnavas. Bon, en fait, j'ai pas vraiment de questions. C'est juste parce que j'ai envie d'entendre un peu plus d'Arikata, mais. Non, justement, j'ai envie d'entendre plus. Par exemple, moi, une question qui me vient. Par exemple, quand on entend l'Arikata, on voit dans ce monde, il y a tellement peu de personnes qui sont
attiré par cette voie spirituelle, et quand par la grâce du maître spirituel, par la grâce des Vaishnavas, on obtient cette bonne fortune d'être associé avec des Vaishnavas et de servir au quotidien les Vaishnavas à travers les services qu'ils nous donnent, malgré tout, comme vous avez expliqué, c'est difficile de devenir un serviteur. Ça prend du temps et malgré le désir qu'on entend les paroles des Vaishnavas, que c'est le but, ça prend énormément de temps et il y a une sorte de frustration de soi-même ne pas y arriver. Donc, est-ce que il y a un moyen pratique ou quelque chose? Est-ce que vous pouvez parler plus sur ce sujet? Comment arriver à avoir la force et de vraiment mettre en pratique et puis intensément le vivre, quoi, finalement? On peut aborder cette question de différentes façons. Je dirais que le point le plus important, si on veut devenir un serviteur, c'est de s'associer avec des serviteurs. Parce qu'on prend l'attitude de cœur des gens qu'on aime. Si vous aimez des serviteurs, alors vous contractez le fait de devenir le serviteur du serviteur. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour ça que on devrait toujours avoir, si on a la bonne fortune, un ami Vaishnav. Ça, c'est la bonne fortune. Avoir un ami qui est un pur dévot. Parce que les purs dévots sont des fois très miséricordieux envers nous. Et ils nous bénissent de leur amitié, des fois. C'est, si on est sincère, c'est quelque chose qui arrive à tous les Vaishnavs sincères. Et ça, c'est la plus grande fortune. C'est pour ça qu'on a un Diksha Guru, mais on a aussi des Shiksha Guru. Les Shiksha Guru, c'est plus dans l'amitié, encore. Ça veut dire que c'est une relation de vraiment où il y a une intimité, quoi. Où on peut avoir une proximité plus proche. Et des fois, le Diksha peut aussi être dans cette intimité, mais c'est rare. C'est très rare. Mais le Shiksha Guru, c'est quelqu'un où on peut facilement révéler son cœur, etc., ses problèmes. Un Diksha Guru, le maître spirituel instructeur, on a l'impression que parfois c'est une montagne, quoi. Qu'on a peur de l'approcher, il y a beaucoup de révérence, etc. Et parfois avec le Shiksha Guru, il n'y a pas tout ça. Certains Vaishnavas expliquent ça. C'est pas la réalité constante. Parfois, il y a cet échange de cœur avec le Diksha Guru aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que avoir un ami Vaishnav où véritablement on sent que cette personne me comprend, on sent véritablement que cette personne m'aime. Alors ça va nous permettre de devenir un serviteur. Parce que l'amour d'un Vaishnava, c'est pas un amour ordinaire. C'est un amour qu'on reconnaîtra pas chez les gens matérialistes. Et automatiquement, ça nous donnera envie de servir. Et la même chose se manifeste avec le Diksha Guru, bien sûr. Le point, c'est que si on a un ami Vaishnav, parfois on se confie plus facilement. Mais il faut qu'il soit pur. On peut pas confier notre cœur à quelqu'un qui est pas pur. C'est pas possible. Parce que on rencontrera des problèmes. Si quelqu'un est pas pur, qu'on révèle notre cœur et que lui-même il est pas un serviteur, et qu'il utilise mal ses paroles, on va les entendre autre part, etc., etc. Alors, après, on aura du mal à devenir un serviteur. Ça va nous faire quelque chose qui va véritablement
retarder le processus par cette mauvaise expérience. On doit faire vraiment attention de déposer notre cœur avec des personnes sûres. Et là, notre progrès sera rapide. Parce que si on a l'association et si on a un échange de cœur avec une personne qui est pure, automatiquement, on recevra l'aide pour devenir un serviteur. C'est pour ça que le Shiksha Guru, il nous aide à devenir un serviteur du Diksha Guru. Le Shiksha, c'est l'instructeur, il nous sert d'intermédiaire pour devenir le serviteur du Guru initiateur. On a besoin d'aide. C'est pas un mal de prendre de l'aide. Et parfois, les deux se combinent. Bhaktivinoda Swami Prabhupada, il dit les deux se combinent. Dans le Diksha et aussi le Shiksha. Mais parfois, un disciple, il a du mal, à tout recevoir du Diksha Guru parce qu'il n'a pas la qualification. Donc à ce moment-là, parfois, un autre dévot vient pour l'aider. Mais le Shiksha Guru, il écarte jamais le disciple du premier qui a donné l'initiation spirituelle. Il ne fait que le rapprocher. En fait. Jamais un Shiksha Guru, un maître spirituel instructeur, n'écarte le disciple du maître spirituel initiateur. Jamais. Il ne fait que rapprocher. C'est un principe. Donc si on n'arrive pas à devenir le serviteur du maître spirituel, on peut se faire aider. Et si on a la bonne fortune de recevoir l'amitié et la compassion d'un Vaishnava, alors le succès viendra. Le succès viendra. On ne doit pas douter de ça. Les Vaishnavas sont tellement miséricordieux que des fois ils nous acceptent comme leur ami alors qu'on n'a pas de qualification. Ça, c'est l'arrangement, en fait, de Radharani, dans le cœur d'un Vaishnava. Radharani est tellement miséricordieuse que son dévot fait en sorte que son dévot accepte quelqu'un comme son ami. Et ça, c'est la bonne fortune de la personne. Il obtient tout, graduellement. Mais la personne en elle-même, elle n'a aucune qualification pour ça. Elle est comme un corbeau à côté d'un cygne. Et pourtant, le cygne, il l'accepte. Ça, c'est la miséricorde de Radharani. C'est pas possible autrement de devenir un serviteur. C'est que par la miséricorde des Vaishnavas qu'on devient un serviteur des Vaishnavas. C'est pour ça que si on arrête de critiquer les Vaishnavas et que notre attitude est bonne, graduellement l'aide viendra. Krishna fera tous les arrangements. Jamais, en fait, Krishna, si on est sincère, nous laissera seul. Jamais, jamais, jamais. Si on a touché le cœur de Krishna par nos austérités, qu'on a fait quelque chose pour lui avec sincérité, jamais il nous abandonnera. Jamais. Il nous donnera la force de revenir à lui. Comme disait Ahmad, par exemple, c'est naturel. Mais en fait, c'est le Seigneur qui l'a inspiré. Par nous-mêmes, on est tout petit. On pourrait être illusionné par la nature matérielle, à chercher le plaisir. Mais pourquoi on est là? C'est parce que le Seigneur est miséricordieux. Sans ça, on ferait comme tout le monde. Mais comment il est miséricordieux? En nous donnant une personne, l'association d'une personne qui le connaît plus que nous. Et qui nous explique comment graduellement introduire dans notre vie des sentiments, une bonne attitude pour que Krishna réciproque avec nous. C'est pour ça que sans l'association d'un Vaishnava, on peut pas connaître le Seigneur suprême. C'est pas possible. C'est impossible. Par exemple, prenons les déités, les mortis. Un pur dévot, il parle avec les déités. Directement. Mais c'est pas que tout le monde. Chaitanya Mahaprabhu, il restait des heures à voir Jagannath. Les larmes coulaient. Tellement que les larmes coulaient que ça faisait un petit ruisseau, que ça sortait dehors. La pierre, elle fondait sous ses pieds, la pierre du temple. Il pouvait rester des heures complètement focalisé sur la beauté du Seigneur,
Mais nous, on reste 5 secondes, on n'arrive même pas à voir quoi que ce soit. L'animal, lui, il va même uriner là. Donc on n'est pas loin du niveau de l'animal, vous comprenez? Mais graduellement, en prenant ce processus, notre conscience va augmenter. Et un jour, il y a quelque chose qui va sortir de la déité. Et on va être captivé. Et les larmes vont commencer à couler. Et un jour, la déité nous parlera. Vous voyez? C'est comme ça que tu m'as rendu ton hommage aujourd'hui? Tu m'as même pas regardé? C'est comme ça que tu m'as adoré hier? Et là, oh, on va arriver. Oui, oui, c'est moi qui te parle. Et là, Krishna va nous faire voir la beauté. On va avoir un contact. Même si c'est sur un certain niveau, c'est pas encore le plus haut niveau. Mais on va commencer à aller vers la vérité. Hein? Un Madhya Madhukari, par exemple, il peut de temps en temps entendre le Seigneur lui parler. Comme ça, à travers la déité, déjà. À un haut niveau de Madhya. Tu as ses vies passées et tout ça. Hein? Lui, l'Uttama, lui, c'est l'autre niveau. Uttama, c'est quelqu'un qui peut comprendre les échanges entre Radha et Krishna, les sentiments, les paroles, et embellir, même, en est bon. C'est-à-dire qu'ils sont dans le service de Radha et Krishna, et ils embellissent. Ils permettent que Radha et Krishna aient plus encore de plaisir. C'est inconcevable. C'est un autre niveau. Vous comprenez? Mais bon, ça, c'est confidentiel. J'ai...